Et salut tout le monde, c'est Megacé. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la nouvelle saison de Mario Kart Tour. Et enfin une saison, enfin peut-être qu'on n'a jamais fait la saison nocturne avec un nouveau Donkey Kong qui a l'air super stylé. Ou alors ouais, c'est un Donkey Kong, enfin bref. Et ben on va découvrir tout ça. Alors oui, avec la saison Mario vs Luigi, j'étais l'équipe Mario, est-ce que je vais gagner? Et oui, de justesse. Vraiment de justesse. C'était pas loin. Et bon, on a gagné l'équipe Mario. Ok, la récompense avec le badge que j'ai déjà probablement. Ok, et c'est la fin de ce rail. Et ouais, maintenant les rails, à ce qui paraît, c'est fini. C'est vraiment dommage. Mais bon, c'est Nintendo, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Alors, découvrons aussi le classement de la coupe. Je dois être combienième? Troisième. À un moment, j'ai eu peur parce que je voulais vraiment être en premier, deuxième, troisième. Parce que j'ai le cheval d'or. Oh, le loup était cheval d'or. Alors, ça, nickel. Avec un tube doré en plus. Qu'est-ce que je vais avoir là-dedans? Oh! Le vaccin. Eh ben non. C'est juste pitchette. Ok. Et tac, 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 tac. Ok. Franchement, de justesse. Hein. J'ai fait être quatrième, franchement. Allez, découvrons tout ça. Non, je voulais juste voir quelque chose. Ouais, non, je voulais juste voir si vous pouvez m'entendre, mais vous pouvez m'entendre à ce qui paraît. Alors, bref, découvrons toute la nouvelle saison. Alors, les défis pour commencer. Alors, on a des premières, ça n'a pas changé. Saison 1, saison 2, multijoueur, total 1, 2, défi or, défi expert, avec un Birdo à gagner, enfin, un batch Birdo à gagner. Pas mal, pas mal. Et ça n'a pas changé, ok. La boutique, alors ce nouveau Donkey Kong, c'est quoi comme objet qu'il a? Il a le boomerang, ok. Ah oh bah je vais pas m'acheter. Ok, une aile et un carte des chompes, d'accord. La tenue vert clair, d'accord. Multi de jetons, nul. Là, ok. Pas trop de choses intéressantes. Je suis pas prêt, je vais juste aller voir les tickets. Parce que ouais, la semaine dernière, j'ai vraiment pas très regardé le jeu, j'ai vraiment pas joué du tout déjà que j'avais perdu 2-3 jours. Mais franchement, j'ai vraiment pas très regardé du tout la saison. Enfin si, à part pour la ligue, mais c'est tout. Mais là, je pense que je vais revenir. Bref, allez, jouons la petite coupe avec... Tenue, tiens, jamais je joue avec des choses que je n'ai jamais joué depuis que j'ai mon téléphone. Allez, c'est parti, après faut que je augmente aussi mes persos avec mes points. Allez, c'est parti pour la première coupe. Bon bah, je vais la poser des questions comme tous les jours. Dites-moi si qu'est-ce qu'on pense de cette saison. Oups, un... Ah oui, c'est un truc de... Dites-moi ce qu'on pense de cette saison. Probablement avec un nouveau Donkey Kong qui a l'air super beau. Ça va être une bonne saison, mais là, je peux... Et puis bah ça forcément c'est encore un nouveau circuit hein. Une nouveauté à chaque fois c'est les circuits hein. On a tout le temps au moins un ou deux circuits par saison hein. Un ou deux nouveaux circuits pas précis. Et c'est bizarre le... enfin, les persos à la limite oui ils ont une bague de saison mais donc ouais il faudrait qu'ils fassent des grosses nouveautés à un moment. C'est vrai que pour la saison Mario vs Luigi oui ils ont fait une nouveauté de la boutique et tout. Mais ouais, au fait, à ce qu'il paraît, à la prochaine saison, il y aura peut-être Riddler. Enfin, on attendait depuis tellement longtemps, et il va peut-être revenir à la prochaine saison. On sait pas. Voilà, rien de spoil. Oui, c'est une surprise. Hein. On peut bien savoir là. Bah là, j'ai super hâte pour le coup. Et on va attendre 2 semaines. Malheureusement. Alors, sinon, je veux dire, de toute façon, en parlant de Tommy, j'achète plus de Tommy parce que déjà, je pense que c'est une saison, c'est chiant, hein. À moins, il faudrait qu'on pense à garder nos rubis tranquilles, hein. À laisser nos rubis tranquilles pour être précis. Parce que bon, dépenser mes rubis, ça va, hein, pour un moment. Parce que là, j'ai combien? J'ai 540 rubis.
Donc là, j'ai économisé depuis au moins 2 ou 3 saisons. Et puis bah non, j'ai toujours rien envie d'acheter pour l'instant. J'ai envie de garder mes rubis comme ça. Tiens, on va jouer qu'un Luigi Chevalier en or. Avec ça. Et ça. Non. Ça va. C'est bientôt max. Le Luigi Chevalier d'or, en vrai, je le voulais beaucoup parce que oui, il avait la boîte à pièces, les pièces dorées et tout. Après, le Luigi Chevalier normal, il ne me plaît pas parce que je sais pas ce qu'il avait comme objet, mais s'il a la poussette, peut-être que je vais l'acheter parce que je l'ai vu dans la boutique. Et s'il a pas la poussette, s'il a un objet minable, il n'a pas la peine de l'acheter. Alors, moi, je suppose que c'est encore un nouveau circuit, hein. Ils ajoutent beaucoup de circuits, hein. Ça c'est bien, mais il n'y a pas que les circuits dans la ville, lol. Les persos, il y en a plus aussi, mais plus énormément. C'est ça que je veux dire. Ouais, après, ils mettent des musiques un peu plus vite. Normalement, il faudrait qu'ils mettent des vraies musiques, hein, parce que ça, c'est pas ouf. De la merde. Cette musique, on a l'impression de se sentir comme si on écoutait un piano ou je sais pas quoi. C'est bizarre. Ouais, ça va être bizarre. Oh non. Des carapaces lourdes de merde. Des carapaces à épines. Maintenant, les commentaires, si vous appelez plutôt carapace bleu ou carapace à épines. Personnellement, carapace à épines, ça pourrait être mieux. Parce que c'est ce que prononce aussi le jeu. Hein. Après, il y en a beaucoup qui prononcent le carapace bleu. Ouais, c'est vrai qu'elle est bleue, mais il n'y a pas que la couleur à prononcer. Hein. Il faut aussi prononcer vraiment qu'est-ce qu'il y a de plus. Des épines. Carapace à épines. Allez, c'est parti. La troisième course. J'allais dire couple. Moi, je te dis, tiens. Enfin, il est pas max. Elle. Et je n'ai pas d'elle. Désolé. Allez, là on va partir pour la coupe, quoi, parce qu'il y a aussi le petit délit bonus après. Allez, c'est parti. Alors je suppose que c'est encore une fois un nouveau circuit. Ils aiment beaucoup acheter des nouveaux circuits en Nintendo. Hein. Cette musique ça a l'air d'être beaucoup mieux en effet. Merde, j'ai pas d'élu là. J'ai pas de licence. Enfin la licence c'est les péages. Heureusement qu'on ne monte pas en plan, non. C'est quoi ce circuit? De dire ça, mais ce circuit a l'air très plat déjà. Et puis, il est très grand. C'est... À la base, je sais pas si c'est censé être un peu comme ça pour les boucles. Ça. Faut vraiment mettre des circuits. Hein. Je sais pas, il y a un truc dans le circuit autorité dans Mario Kart 8. Hein. C'est. Ouais, mais. Ça veut dire que. D'ailleurs, faudrait qu'ils mettent pour autorité dedans. Comment un carrefour hein. C'est pas ça mais on va mis hein. Et ils avaient comme ça ressembler à ce Autoroute. Donc bon, bizarre qu'ils mettent toujours pas un hein. Ça viendra. Peut-être que ça va venir, on sait pas. C'est bizarre. Allez, on y va. Allez, des voitures. Oui non, j'ai pas de licence, bon merci, lol. Et c'est la fin avec 14 000 points. Ah, désolé, j'ai un trou. Allez, le petit défi bonus. Avec Waluigi, hein, le perso le plus minable que j'ai jamais vu, lol.
Allez. Alors ouais, je pense qu'il faut faire ouais, des points en restant en l'air. Voilà. Faut juste aller sur les effets volants, là, je sais pas comment on appelle. Le courant, voilà, qui amène du Hunter. Voilà, c'est beau, hein. On va y venir d'arriver, mais non, voilà. Ah, mais donc, c'est pas le stick qu'ils ont trouvé. Je voudrais faire une petite dédicace à Matka, parce que lui, franchement, il est accro à ce circuit. Hein, il aime beaucoup ce circuit de Vancouver, avec la petite musique et tout. Donc voilà. Petite dédicace à toi, Matka, si tu regardes la vidéo. J'espère que ça te fera plaisir. Puis moi, sinon, j'ai terminé la coupe. Vous pouvez m'applaudir. Alors, ok, j'ai 38 000 points seulement. Ah oui, les nouveaux persos. J'avais pas vu. Alors, Mascasse jaune. Encore une couleur de Mascasse, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pensais qu'il y avait un... Ah oui, le boomerang, oui. Je sais pas comment acheter. Ah oui, Donkey Kong, j'ai vu qu'il y avait le boomerang aussi. Épidémie. Tenue Mi-Ozek. Ok. Tenue Mi-Ozek, ok, ok. Vous voyez, hein, j'ai plus grand chose à acheter parce que bon, j'ai plus envie d'acheter. J'ai plus la force d'acheter des tenues Mi. Je vais y arriver, bordel. Je vais y arriver, hein. Cette vidéo, je pense que j'aurais du mal à parler. Non, ouais, c'est ça que je veux le plus. Moi, je suis un fan de Toad, hein, vous me connaissez. Je veux ce Toad de rouge au stand, hein, mais je ne l'ai pas. Bref, et bah écoutez, je suppose qu'on va déjà récupérer les cadeaux. Qu'est-ce qu'il y a dans le passeport? Bien sûr, dans tous les cadeaux saisonniers. Pour l'instant, récupérons les premières offres. Oh, je suis même pas au courant que c'est le train de se dorer. C'est quoi? Encore Pichette? Je crois que ça fait deux fois que je l'ai dans cette vidéo. Lol. Bref, sinon, alors, c'est quoi ça? Ozek mobile doré. Ok. Et sinon, rien d'autre. Juste des tickets ou des tuyaux. Enfin, autre chose. Ok. Bref, et ben voilà. J'espère qu'on va écouter cette vidéo n'importe quoi. Voilà. On va s'arrêter ici. Je vais y arriver. J'espère voilà, que cette vidéo, eh ben, elle vous aura plu. Disposition de l'épisode cette saison, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.